Nationaux, il y a FCC, Basangani, on a voté là, Makambo Malenge Melaki, Lelo pour la Gopona, Bakambi, Yaseni, Mamoniete. Procédure et l'andé ma quitté. Yaliboso. Bon la commission Oyo Balobi paritaire. Mokambi Nayango. Oyo Ezali professeur Mbata. Azali président ya commission PAJ. Règlement intérieur Yabiso, article 53. Et Pekisi na président ya commission permanente qui a assumé ma responsabilité na ba commission spéciale Moussousou. Wana, président Mbosso a violé le règlement intérieur et l'Assemblée nationale. Yami Balé, président de la République, moi, Mikolo Eleki, a boyaki na l'Assemblée nationale, ba entériné mon corps et un candidat président ya CENI, pour être boyo kanezala kite na niveau ya société civile et spécialement na confession religieuse. Comme on a été 5 ans na SCC, batiaki. Manzaka na bangote na procès verbal. Bongo boni boni, lelo oyo, bandi maete, bapona, président Moussousou ya CENI, alors que président ya 5 ans. Et puis SCC, bandi mi PVO anate. Tomoni ete, wanape ezali malamute. Yango basengi na mokonzi na mboka. Komona ete dictature lingue zonga. Yeo yazali gara ya nation. Ako isama na koko sama wana te esengeli miete atika société civile président ni 5 ans et puis SCC lokolo bazali na koyokana ba continue koyokana pona kopone la biso moto oyo balingi na compte na société civile pona kokamba CENI soke zali bongo te ba kokuta FCC na nzela na bango poto koiko ndima mokolo moko tete dictature ezonga lisusu na mboka na biso. Même à Kambo président, il y a l'Assemblée, Mboso, Azaliko Sala, Azaliko Bomamboka, Azaliko instauré, co-installé, dictature na ekolo Congo. Yango, ba député nationaux, il y a FCC, ba Telemeli Makamboana, ba boyko participer, na Makambo, Azaliko Bomamboka, Ndenge to Telemeli, rare, Azaliko Boma population, to Telemeli, pe Makambo Itali, CENI, poete oyo balingi kosala elingi koboma mboka ekotia bokabwani ekotia yiki yiki yango ba député FCC ba telemeli yango topesi bino merci Swahili n'oublie pas les dossiers de RAM. Je te rappelle du RAM aussi. Pata la itroche sinon. L'État adressé à l'Assemblée nationale et portant refus d'entériner la désignation d'un candidat président de la CENI pour défaut de consensus et absence de signature du président et du vice-président de la sous-composante confession religieuse et la composante société civile, en l'occurrence, la conférence épiscopale nationale du Congo 5O et l'église du Christ au Congo SCC, considérant diverses alertes dénonçant la barbarie caractérisant le processus de désignation des animateurs de la CENI, notamment l'institution irrégulière d'une commission paritaire en violation des dispositions pertinentes de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI
et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui voudrait notamment que la présidence d'une commission permanente ne peut être cumulée avec la présidence du comité des sages, d'une commission spéciale et temporaire, d'une commission de contrôle, d'un groupe parlementaire ou d'une sous-commission, confère article 53 in fine du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, considérant l'indifférence du président du bureau de l'Assemblée nationale à s'affranchir de ces irrégularités tant décriées et entachant des règles et usages parlementaires en encourageant la composition monolithique d'une commission paritaire ainsi que la volonté manifeste d'imposer un passage en force dans la désignation des susdits animateurs de la CNI de façon non consensuelle, prenant l'opinion tant nationale qu'internationale à témoin, déclarant notre refus de cautionner la procédure irrégulière et cavalière enclenchée par le bureau de l'Assemblée nationale en enfreignant aux prescrits de son règlement intérieur. 2. Condamnons avec la dernière énergie le comportement antidémocratique, arbitraire et dictatorial d'un bureau de l'Assemblée nationale au service d'une seule et unique famille politique, brisant tous les efforts et sacrifices en vue de l'instauration d'un véritable état de droit, de la cohésion nationale et de tous les espoirs de notre peuple quant à son avenir radieux. 3. Tout en réaffirmant notre adhésion unanime à nos déclarations antérieures en rapport au processus de désignation des animateurs de la CNI, réitérant par la présente déclaration notre ferme détermination à combattre et à barrer la route par toutes les voies politiques possibles, la dérive dictatoriale qui s'installe notamment à l'Assemblée nationale. Aussi, nous disons non à tout assujettissement de la Commission électorale nationale indépendante, CNI. 4. Rappelons au président de la République, chef de l'État, ses responsabilités de garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions de la République, mais aussi son refus d'entériner dans les mêmes contextes par sa lettre du 13 juillet 2020 reçue au cabinet du président de l'Assemblée nationale en date du 16 juillet 2020 à 12h53 minutes, les choix opérés, entre autres, celui d'un candidat président de la CNI, pour cause notamment de défaut de consensus au sein de la sous-composante confession religieuse et la composante société civile, et d'absence de signature du PV de désignation par le présidium de la susdite sous-composante de la société civile, composée, constituée de la 5 co-présidents et de l'ECC vice-président. 5. Demandons au président de la République, chef de l'État, de ne pas entériner, le cas échéant, la désignation d'un président de la CNI et des autres animateurs de cette institution
obtenus dans des conditions d'irrégularité manifeste, sus-évoquées, et d'éviter ainsi à la République démocratique du Congo la rupture des équilibres nécessaires à sa survie en tant qu'État et nation. Que vive la démocratie, que vive la nation congolaise, que vive... Kwa kazi ambayo ilipasha kufanyika leo hapa kwa Assemblée nationale, plenière ambayo walituitisha kwa kuweza kuanterine ama kukubali machagulio ama kazi ambayo ilifanyiwa na kigundi wanaita commission paritaire. Tunaikatala, sawa vile tulikatala rame, sababu ya vitu vitatu. Kitu ya kwanza ni kusema kama loi, sheria inasema ile commission ambayo ilitumika kwa kuangalia wanani watakubaliwa kuwa wakandida wa biro ya seni inapasha kuwa paritaire. Paritaire manake ngambo mbili, wa opoza wanaleta yao watu na majorite inaleta yabo batu. Ile kitu haikufanyika, komisyon haikukua paritaire sababu ilikuwa na watu wa majorite tu, hakukua wa opoza hapana. Kitu ya pili tunakataa ni sababu ndani ya hiyo kazi ule ambaye alisimamia ile commission paritaire honorable Mbata anakuwa vile vile président wa commission PAG. Règlement intérieur yetu kwa article 53 inasema wakati unakuwa na madaraka ya kuwa président wa commission permanente haupashe kuwa tena président wa commission ingine, iwe commission spéciale, iwe sous-commission, iwe commission d'enquête, haupashe tena kuisimamia. Hiyo ni sheria, ni reglement yetu. Na ya tatu ni kusema kama wakati walichagua Ronsard Malonda, président de la République alikataa, aliandika barua.